Forcément, elle nous inquiète, hein. On a un axe de développement sur le grand export et notamment sur les États-Unis et aujourd'hui un volume de produits de commercialisation et de production sur les États-Unis qui fait que forcément on peut être inquiet. On a peut-être peur que ça freine ou tout simplement que ça s'arrête. Est-ce que on est vraiment dans ce sens et sa politique est vraiment basée sur un protectionnisme fort? Écoutez, on espère que non et on espère qu'on pourra continuer, nous, à commercialiser nos vins aux États-Unis comme on les commercialise aujourd'hui. Hein. C'est notre principale voie de commercialisation au grand export aujourd'hui.